Je me présente, je m'appelle Jérôme et j'ai 30 bits. Je vais vous raconter une étape de ma vie très difficile. Jeune homme heureux, avant ce 19-10-2006, avant le jour de l'accident et ses traumatismes. J'avais des passions, une femme et ses deux garçons, un taf avec mon camion, DJ je faisais tourner le son, je kiffais ça. Les balades avec ma Mifa, aller dans la rue avec mon rot nommé Diva. Je vivais ma vie pleinement, les amis que j'aimais tellement, les sorties qu'on faisait souvent, une vie tout en mouvement. 3 ans, déjà que tout a basculé. Je pensais pas qu'une de mes passions allait me faire reculer. Un matin, comme les autres, je me lève, un café, direction la Flèche Bleue pour aller taffer. Je prends la route, tout est fait, mais je fais très attention. 5h31, je ne peux éviter la collision. Je reste fort malgré les coups durs qui m'entourent. Je reste fort pour ma famille, toujours debout. Je reste fort pour mes amis qui me soutiennent. Je reste fort et j'avance quoi qu'il advienne. Je reste fort malgré les coups durs qui m'entourent. Je reste fort pour ma famille, toujours debout. Je reste fort pour mes amis qui me soutiennent. Je reste fort et j'avance quoi qu'il advienne. Janvier 2007, je sors enfin du coma. Les médecins me disent que je suis plein de trauma. Le regard vide et les jambes paralysées. Je me rends compte que ma vie a basculé. Aucun souvenir de l'accident, je suis un vrai survivant. Mais tout ça aura de lourdes conséquences. Je dois de nouveau apprendre à parler, à manger, à lire, à vivre en société et me laver. Pendant ma réduc', les malheureux s'enchaînent. On vient m'annoncer que j'ai perdu ma chienne. Un an après, c'est ma femme qui me quitte, les enfants avec elle. Et pourtant je les kiffe, heureusement que ma famille était présente. Leur soutien a fait que mon calvaire est devenu moins pesant. À présent, je vis tout seul dans un sang, déterminé à retrouver tout ce que j'avais avant. Je reste fort malgré les coups durs qui m'entourent. Je reste fort pour ma famille, toujours debout. Je reste fort pour mes amis qui me soutiennent. Je reste fort et j'avance quoi qu'il advienne. Je reste fort malgré les coups durs qui m'entourent. Je reste fort pour ma famille, toujours debout. Je reste fort pour mes amis qui me soutiennent. Je reste fort et j'avance quoi qu'il advienne. Je remercie en premier toute ma famille qui m'a soutenu et me soutiennent. Encore dans cette épreuve, je remercie les pompiers et l'hôpital Trousseau de Tours, le centre Pierre Josselin, le foyer de ville et Tamaris, à Audrey, Laurence, Séverine, Didier, Alexandra, Mathis, Ethan et Diva. www.gglapince2.skyrock.com. Je reste fort malgré les coups durs qui m'entourent. Je reste fort pour ma famille, toujours debout. Je reste fort pour mes amis qui me soutiennent. Je reste fort et j'avance quoi qu'il advienne. Je reste fort malgré les coups durs qui m'entourent. Je reste fort pour ma famille, toujours debout. Je reste fort pour mes amis qui me soutiennent. Je reste fort et j'avance quoi qu'il advienne.